Good morgen. Allez, Yidane et Nathus, aujourd'hui le Lunishmat Avram Mordechai Ben Israq Vefani David Ben Fortuna Mazal Fritna Dvora Bat Esther et Rachel Rachel Bat Sarah. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sarah Ktubot Perek Hei Mishnah Vava Madir et Ishto Mitash Misha Mita. Bet Shamay Omrim Shte Shabbatot Bet Yelel Omrim Shabbat Achat. Atalmidim Yetzim Le Talmud Torah Shelo Birshut Shloshim Yom. Apoalim Shabbat Achat. העונה אמורה בתורה תיילין בכל יום, הפועלים שתיים בשבת, החמרים אחת בשבת הגמלים, אחת לשלושים יום, הספנים אחת לשישה חודשים, דברי רבי אליעזר. En rapport avec les devoirs du mari de combler sa femme, combler plusieurs besoins de sa femme, notamment mitzvat ona, le devoir de vivre avec elle en intimité, de vivre en intimité avec elle, alors là maintenant on va commencer à entrer dans le sujet combien l'homme a le devoir de combler sa femme, c'est-à-dire si, autant qu'elle lui fait allusion qu'elle a besoin de lui, jusqu'à combien, parce qu'il y a des fois où l'homme travaille beaucoup, il est fatigué, il a envie de travailler, alors ça va être le sujet de notre Mishnah. Mais on commence d'abord avec une situation un petit peu délicate, c'est le mari qui s'est fâché avec sa femme, et qui lui fait le néder qu'ils ne vont pas entretenir de rapport avec eux. Elle en a marre d'elle pour cette semaine, laisse-moi une semaine tranquille, je t'interdis à moi en Issour néder. D'accord? Elle fait néder de ne pas profiter d'elle. Alors, Amadir Tishto Mitashmi Shamita, celui qui fait le néder, qui prononce un vœu de ne pas profiter de sa femme, du Tashmi Shamita. Tashmi Shamita, c'est littéralement utiliser le lit. D'accord? C'est une manière propre de parler. Alors, Bet Shammai Omrim, Shte Shabbatot. Bet Shammai dit que jusqu'à 2 semaines, il a le droit. C'est-à-dire, il est encore dans son droit. Plus que ça, ou Bet Hillel Omrim, on va le voir tout de suite, ou Bet Hillel Omrim, Shabbat Achat. Et selon Bet Hillel, il nous dit non, juste un Shabbat, ça veut dire une semaine. Shabbat, ça veut dire une semaine, ça ne veut pas dire que le jour du Shabbat. 2 semaines ou une semaine, c'est une marque de Bet Shammai. Bet Hillel, que si jamais il a dit, je t'interdis, allez, j'en ai marre de toi, pendant laisse-moi 3 semaines de repos, j'ai plus envie de te voir, il fait le Neder, elle lui dit, écoute, mon ami, je t'amène au Beddin, tu me donnes le guet et tu me donnes la ktouba, parce que tu as prononcé 3 semaines. Jusqu'à 1 ou 2 semaines, on comprend un mari, il s'énerve avec sa femme, il interdit, il est là. Alors, sur ça, donc, sur quel point il discute précisément Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai, lui, on va commencer plutôt par Bet Hillel. Une femme Nida, selon la Torah, elle interdit à son mari que pendant 1 semaine, après dès qu'elle arrête son sang. Le sang promulgué, elle est permise. Aujourd'hui, on ne fait plus comme ça parce qu'on considère qu'une femme Ida, elle est peut-être ziva, et c'est pour ça qu'on fait en général 4 jours plus 7 jours, et que ça prend tellement de temps. Mais initialement, selon la Torah, elle a ses règles pendant 5, 6 jours, 7 jours. Dès qu'elle finit, elle l'attend, et la semaine, fin du 7e jour, elle se rend promulguée, puis elle est permise. D'accord? Ça, c'était selon la Torah initialement, quand on savait différencier les sangs d'une femme Ida et d'un ziva. Donc en fait, Bet Hillel, il nous dit, écoute, une petite semaine de repos, c'est assez fréquent, ça arrive tous les mois en réalité. C'est là, lui aussi, le dialyse, une semaine de repos, c'est encore tolérable. Selon Bet Shammai, lui, il apprend Shte Shabbatot aussi. Il lui dit même 2 semaines, parce qu'on a trouvé que finalement, lorsqu'une femme accouche d'une fille, elle lui interdit à lui pendant 2 semaines, donc c'est encore quelque chose qu'on trouve concrètement, qu'on passe de 2 semaines d'écart, c'est pas la fin du monde, il s'est fâché avec elle, on peut tolérer. Mais jusqu'à 1 ou 2 semaines, d'accord? Il y a des petits détails dans le marteau noir sur la manière de prendre le néder, mais je ne préfère pas alourdir le cours, et j'avance. À part ça, maintenant, nouveau sujet, en rapport avec les rapports que l'homme doit entretenir avec sa femme, Atamidim Yosim Letalmud de Torah, Shalom Birshut, Shloshim Yom. Ce qu'on va voir en fait tout de suite dans notre Mishnah, c'est que, ça va être surtout à la fin de la Mishnah, on va voir en fait que combien un homme a le devoir d'être disponible pour sa femme, eh bien, quand il peut lui dire, je suis fatigué, j'ai besoin de prendre des forces, je travaille dur, c'est dur de gérer à la fois une journée épuisante, les manutentionnaires, le pauvre, il arrive à la maison, il est capoute, et l'autre, elle lui dit, viens, on va passer un petit peu de temps ensemble. Alors, vous comprenez que, alors, quel est le minimum imposé? Sur ce point, on va voir une Mishnah avec toutes sortes, selon les professions de chacun, combien c'est le minimum imposé. Mais pour le moment, ce qu'on va prendre dans les deux phrases qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui se passe, est-ce que de temps en temps, on a envie de faire un petit écart, de faire encore moins. Par exemple, à Talmidim, les étudiants en Torah. Moi j'ai envie de partir maintenant, je suis marié avec ma femme, c'est vrai, mais j'ai envie de partir maintenant 1 mois à la yeshiva. Ou j'ai envie de partir à la yeshiva pendant un bout de temps. Combien de temps j'ai le droit?
התלמידים יוצאים לתלמוד תורה שלא ברשות 30 יום. Les étudiants en Torah ont droit de partir pour étudier la Torah. Même pendant 30 jours, sans avoir de dérogation spéciale de sa femme, même si elle s'y oppose, elle dit, écoute, je suis dans ce monde passager, j'ai besoin de me remplir de Torah, je suis obligé de partir pendant un mois de la maison pour pouvoir étudier pendant un mois, approfondir un sujet, apprendre une certaine, un nouveau thème de la Torah. Et dans ce cas-là, il n'a pas besoin de demander la permission de sa femme, elle ne peut pas lui dire non, tu es imposé. Vous comprenez bien la nécessité. Si j'ai un devoir envers quelqu'un, j'ai pas le droit de partir, de fuir mon devoir pour partir étudier la Torah. Ça, c'est en théorie. Et c'est vrai. Mais cette fois-ci, spécialement par rapport au devoir avec sa femme, alors, c'est imposé, en fait, tacitement, depuis le moment où il se marie, que s'il veut devenir tel Ultracham et qu'il veut partir étudier la Torah pendant 30 jours, on le laisse et la femme n'a pas le droit de lui interdire. D'accord? Ça, c'est occasionnellement, et attention. Un partenaire nous rapporte. Cette mission va sûrement nous préparer les airs, parce que selon Chachamim, ça peut même durer pendant 2 et 3 ans. C'était fréquent que les Tanaïm, quand ils se mariaient, ils passaient la semaine des Sheva Brachot, et ils disparaissaient de la maison pendant 2 ans. Ils revenaient ensuite avec une belle barbe et des belles péotes, et c'était devenu le Tanaïm de Chachamim, ils partaient étudier la Torah. D'accord? Ensuite, à Poalim, Shabbat Achat, le poel, l'ouvrier, il a le droit même une semaine d'écart. Comme on va voir dans la suite de la Mishnah. D'abord, l'ouvrier, il doit être là au moins 2 fois par semaine. D'accord? Plus, il peut dire à sa femme, je suis fatigué, je viens de dormir. Mais en tout cas, les 2 fois par semaine, c'est imposé. Malgré tout, s'il a besoin d'un écart, il a beaucoup de travail en ce moment, c'est la saison, il préfère réduire ça à une semaine, on le laisse occasionnellement, autant que pour le thème, on laisse occasionnellement, de temps en temps, sur des petits écarts de 30 jours, pour l'ouvrier, c'est même une semaine, d'accord? Shabbat Achat. Et maintenant, la Mishnah commence à nous préciser quel est le minimum imposé à chacun. Je précise, c'est tant que la femme, elle fait signe qu'elle en a envie. Il n'a pas d'obligation de prendre sa femme de force, bien évidemment. C'est un droit que la femme a le droit d'imposer à son mari. Autant que quand elle a faim, elle impose à son mari de lui dire « Tu t'es engagé à me nourrir. Elle a froid, tu t'es engagé à m'habiller. Quel est le minimum imposé ?» Alors on va prendre aussi de l'alakha spéciale, combien d'habits, combien de nourriture. Et bien, il y a la même chose aussi par rapport à la mitzvah de Ona, le fait d'être ensemble. Combien elle peut dire à son mari « Écoute, moi je veux ta présence à la maison, je veux tous les soirs. » Alors lui, il peut lui dire, écoute, le soir, ça me fatigue. D'accord? C'est le sujet de la Mishnah. Donc en fait, maintenant, à Ona, Amura, Batora, quel est le minimum imposé de la Ona, le fait de vivre en intimité imposé par la Torah? Atayalin, Bechol Yom. Attends, Atayalin, attention. Atayalin, en hébreu moderne, Atayalin, c'est quelqu'un qui part en promenade. Mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, tout simplement, quelqu'un qui chôme, qui est assis sous sa toula, à l'ombre, constamment sous son ombrelle, il travaille, quelqu'un qui ne travaille pas concrètement, quoi, eh ben c'est Becholium, c'est la femme américaine tous les jours, il dit, écoute, toi, tu n'as pas besoin de récupérer tes forces, tu es toute la journée à la maison, de toute façon, tu vis sur tes rentes, donc elle peut lui demander tous les jours, et dans ce cas-là, ça implique aussi que si l'on est parti en vacances avec des copains pendant 3 jours, elle lui dit, non, tu restes ici, parce que tu as un devoir, c'est-à-dire, si tu veux, tu pars faire ton tibule, mais tu reviens ce soir à la maison, parce que je te veux à la maison. D'accord? Donc, Atayalin Becholium, Apoalim, les ouvriers, ceux qui travaillent maintenant concrètement, toutes sortes d'artisans et de travailleurs, Shtaim Beshabbat, 2 fois par semaine. Achamarim, Achat Beshabbat. Les Chamarim, c'est ceux qui travaillent, alors, comme vous pouvez voir, un Chamor, c'est un âne. Lui, c'est pas le mari qui est un âne, mais c'est le mari qui dirige son âne. Il a un âne avec lequel il fait des livraisons, des déménagements, des transports. Alors, lui, vous comprenez qu'il, dans son travail, il doit partir un peu loin et revenir avec de la paille, avec des toutes sortes de céréales, de récoltes. Et donc, dans ce cas-là, il est moins présent à la maison. Donc, la femme, elle sait que quand elle se marie, lui, il a une profession d'être un ramar, d'être celui qui s'occupe de faire des transports alors en âne. Alors, il faut qu'elle sache, au moment où elle se marie, ça signifie que c'est un mari qui est souvent, qui disparaît pendant 6 jours de semaine, qui rentre ensuite. Parce qu'il va de loin pour apporter de la marchandise et revenir. Et maintenant, Agamalim, celui qui transporte le chameau, cette fois-ci le chameau, c'est celui qui va plus loin, il a plus de charges, il peut partir plus loin. Et alors lui, c'est Achat les Shloshim Yom. Lui, il part pour 2 semaines pour revenir ensuite, une fois toutes les. Donc ça implique partir 2 semaines, revenir, ça fait 30 jours au total, parce que 2 semaines à l'aller, 2 semaines pour le retour. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas l'empêcher. Asapanim, maintenant ceux qui partent en bateau, les marins, alors eux, c'est Achat les Shishar Kodashim. C'est une fois tous les 6 mois, d'Ivrei Rabbi Eliezer selon Rabbi Eliezer. Précision super importante qui est expliquée dans le Barthe Noir. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui s'est marié avec sa femme, il était au début artisan. Après, il a envie de changer de profession et de devenir un sapane, de devenir un marin.
Jusqu'à maintenant, il était deux fois par semaine. La femme était mariée avec lui, elle était plus ou moins contente. Et ce qui se passe, c'est qu'après, il a envie de changer de profession, de se recycler, de devenir un matelot. Alors là, ça signifie que maintenant, il va disparaître de la maison pendant 3 semaines, 3 mois, 4 mois. Elle l'a interdit, elle lui dit, écoute, mon ami, tu vas faire du bateau, mais tu reviens à la maison combien on a dit chez toi, toutes les 3 jours. Tu reviens tous les 3 jours, tu viens, tu me fais coucou, mais tu restes pas en haute mer pendant 6 mois, je te permets pas. Elle a le droit de lui interdire, d'accord? Parce que justement, au moment où elle se marie avec lui, elle sait avec qui elle se marie, et tacitement, il s'engage à une certaine proximité nécessaire. D'accord? Selon son niveau. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha. Kol Tuv, Salam.